Alors, Julien, parle-moi, t'es le président de l'asso. Alors, l'asso, Otussac-Asson, tu sais un casson. petit jeu de mots avec le hameau en fait, dans lequel on a fait les deux premières éditions. C'est le hameau de Otussac à Saint-Laurent. Voilà, donc c'est là d'où vient l'association. Donc on est un noyau dur de 5-6 personnes passionnées de musique et on souhaitait vraiment faire partager cette passion au plus grand nombre. Donc c'est comme ça qu'est née l'association. Donc, quatrième édition, tu me disais quand même, c'est 6 à 7 mois de préparation, de travail. Ah, c'est sûr, ben, ça se fait par palier, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé gentiment à l'automne, on a remis un coup dedans avant Noël, et on est remonté d'un cran dès le mois de janvier. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est y a de quoi faire, mais ce qui est formidable, c'est que y a plein de gens qui s'impliquent à leur niveau, et ça facilite beaucoup ces préparatifs. Alors, c'est un gros boulot, mais il y a aussi plein de bonne Ouais, tu me volonté. disais en off tout à l'heure, donc la population jouait le jeu, qu'il y avait un engouement de plus en plus fort, quoi. Exactement, il y a de l'enthousiasme et chaque année c'est une surprise et une bonne surprise de voir à quel point effectivement les gens s'impliquent et y mettent de la bonne volonté. Nous on souhaite quand même que ce soit ouvert à tous, c'est gratuit, mais malgré tout on veut que ce soit de la qualité, hein, la qualité au niveau technique, la qualité au niveau des groupes, la qualité au niveau du snack qui est proposé, on veut que voilà que ce soit un moment de qualité. Voilà, le but de ce festival, donc, c'est surtout, voilà, pour que la population puisse en profiter et en sorte le moins possible du portefeuille, quoi. Hein? C'est ça, tout à fait. Donc, ce qui demande d'ailleurs, dans un cas comme ça, quand on fait un peu entrée libre, ça vous demande quand même l'appui de partenaires. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut les citer? Qui s'y Oui, colle? Thierry? on peut citer en premier lieu la mairie, qui nous prête gracieusement le château du Bousquet. Ensuite, la CAPCA qui nous aide aussi beaucoup et qui nous subventionne à hauteur de X% par rapport à ce qui Ouais, est sur le éligible. matériel, Sur le sur les matériel, cachets des artistes. sur les éco-emballages, etc., sur les poubelles, enfin vraiment, c'est un gros partenaire. On a aussi le département de l'Ardèche aussi qui finance Qui un joue petit le peu et qui jeu? participe et qui joue le jeu. Donc tout ça fait trois partenaires assez fiables et qui restent territoriaux. Et pour nous, on est assez fiers de ces partenaires-là, oui. Donc, Ah ouais. comment vous faites, Julien? Comment tu fais pour ton choix des artistes? Comment? Parce que style musicalement, vous avez une préférence. Comment vous faites au niveau des décisions? Alors c'est toujours beaucoup de discussions parce qu'on souhaite que les décisions soient prises collégialement et chacun arrive avec ses goûts, ses sensibilités et ça nous permet d'avoir une programmation qui est éclectique. On souhaite qu'elle soit de qualité, ça c'est sûr. On souhaite qu'elle soit quand même accessible au plus grand nombre. On ne voudrait pas tomber dans un élitisme. Donc on veut que ce soit que ça plaise au plus grand nombre. On veut que ça mette l'ambiance. Et sinon, par contre, on est ouvert à tous les styles. Et voilà. Donc il n'y a pas de bagarre au sein du groupe pour trouver. Moi je veux du reggae, moi je veux du rock. Il y a des choix difficiles, mais encore une fois, ça. On ne veut pas se faire plaisir qu'à nous, en fait, on veut faire plaisir à beaucoup de monde. Donc on essaye de faire des styles variés, qui sont festifs, qui peuvent plaire à beaucoup plus de monde, et notamment à la famille, parce que des gens comme ça qui n'ont pas eu le temps de venir à un concert, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, comme dit Julien, c'est très varié, les discussions sont des fois animées, mais on trouve toujours un compromis, et ce soir on est encore fiers de présenter le plateau. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux téléspectateurs de TV07? Ben voilà, justement, on va leur proposer de venir à la 5e édition l'an prochain, c'est sûr, on les accueillera avec grand plaisir. C'est vraiment le message qu'on souhaite transmettre. Et puis, encore une fois, comme c'est ouvert au plus grand nombre, qu'ils viennent sans hésiter, on sera là pour les accueillir. Voilà, donc pour les face aux caméras, vous les voyez, elles sont derrière moi, elles sont là. En tout cas, on vous remercie tous les deux. On remercie l'asso. Vas-y, représente l'asso. L'association Otussac-Asson, donc voilà, un Voilà. nom un peu compliqué, mais on a une page sur Facebook, donc il y a les infos, les photos du festival, Et le lieu? bien sûr, ouais, Le Château lieu, du on a Château du Bousquet, fin Bousquet. avril, Et le dernier samedi d'avril, tous les ans. nom du festival? Alors c'est les pattes de sanglier. Voilà, bien s'en rappeler, les pattes de C'est ça. sanglier. Voilà. Ben, Merci en tout cas d'avoir merci à répondu à TV07, TV merci à vous 07. TV07 et merci à l'équipe. Voilà.